Jésus et Jésus devient le Seigneur. Beaucoup appellent Jésus Seigneur. Ah, c'est en fait, parfois c'est un slogan. Quand tu te dis, ah Seigneur Jésus, alors que tu as les cordes autour des terrains, là Jésus n'est pas encore ton Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui dirige tes pas. Alléluia. Le fallait que tu parles, qu'elle va t'élever. Tu te manifestes tout ce corps. Il n'y a pas de repos pour les méchants qui l'habitent. Allez, maintenant, c'est un ordre. Père de Jésus. Maintenant, allez, monte. C'est un ordre. Père de Jésus. Père de Jésus. Allez, maintenant. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu es libre. Père de Jésus. Maintenant, c'est un ordre. Je brise les chaînes qui le tiennent. Je brise les chaînes qui le tiennent. Jésus-Christ restaure la communion avec lui. Tu restaures maintenant la communion avec lui. La communion qui était brisée. La communion qui était brisée avec le Seigneur. Est restaurée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous fermons toutes les portes dans la vie de cette femme. Nous fermons toutes les portes dans la vie de cette femme. Nous fermons toutes les portes dans la vie de cette femme. Nous fermons toutes les portes dans la vie de cette femme. Nous fermons toutes les portes dans la vie de cette femme. Nous fermons toutes les portes dans la vie de cette femme. Nous fermons toutes les portes au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta vie. Adorons le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus, oui, glorifions le nom de l'Esprit Saint, Esprit, Alléluia, Saint, Saint, magnifions le nom de l'Esprit Saint, Esprit, Alléluia, Saint, Esprit. Saint-Esprit, élevons le nom du Père, Père, bénissons le nom de Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus, mon Père, nous te bénissons, bénissons Jésus, mon Dieu. Bénissons le nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Oui, glorifions le nom de Jésus. Jésus. Ton nom est la délivrance. Ton nom est la délivrance, Jésus, ton nom est la délivrance, Jésus, ton nom est la délivrance, ton nom est la délivrance, oui, doudou, ton nom est la délivrance, Jésus, la solution, Yahvé. Ton nom est la solution, Jésus. La solution, doudou. Ton nom est la solution, Jésus. Yahweh, ton nom. Ton nom est la solution, Seigneur. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Oui, Seigneur, ton nom est la solution. Jésus, ton nom est la solution. Jésus, la guérison, Yahvé. Ton nom est la guérison. Jésus, tu es le Dieu très. Oui, Jésus-Christ, tu es le très. Oui, Jésus-Christ, tu es le Dieu très. Oui, Jésus-Christ. Ton nom de famille, comment tu t'appelles? Ouais. Non, l'autre nom, le vrai nom qui était pas. Hein? Tombi Diambo. Tombi Diambo. Tombi Diambo. Tombi Diambo. Tombi Diambo Colette. Tu es né quand? Oh, à 51. Oh, Joshua.
Tu es dans 50 ans. Tu es né où? Okay. Donc tu connais qu'ici c'est la maman. Oh, Jésus est Seigneur. Tu étais marié. Tu n'as jamais été marié. Oh, Père. Tu dormais où? Tu as les parents là-bas, René. Ils te voient comme ça. Voilà. Tu les vois souvent. Ils se moquent de toi. Hein? C'est fini, non? Ils ne vont plus se moquer de toi. Tu sais ça? Hein? Désormais, comme le fou de Kedar, tu vas aller annoncer l'évangile. Tu comprends? Tu vas leur dire, voici ce que Jésus m'a fait. Tu comprends? C'est pourquoi il faut accepter de lâcher tout ce que tu as. Tu as fait le pacte quelque part. Hein? Avec qui? Tu as fait le pacte. Avec qui? Parle. Tu as fait des pactes avec toi. Tu as parlé aux eaux. Hein? Tu as parlé avec la reine des eaux. Hein? Tu as parlé avec qui? On est venu juste pour toi. Est-ce que tu sais ça? Jésus est venu pour te prendre par les mains et dire allons, c'est fini, ce qui t'a attaché là, c'est fini, tu as compris, est-ce que tu veux que ça soit fini, est-ce que tu veux que ça soit fini, ce qui t'a attaché par les mains là, c'est fini, c'est plus les mêmes gens qui vont t'attraper, c'est déjà Dieu qui va t'attraper, est-ce que tu veux que ça soit fini? Il est assis à la droite de Dieu le Père et il règne. Il veut te délivrer, te guérir. Maman, tu dis en moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande. Alléluia. Je te demande. Pardonnez-moi. Il est là. Il va te pardonner. Cette base, mon frère, je te baptise au nom de Jésus. Ça, ouais. C'était le fardeau avec lequel cette dame se baladait. Elle avait plusieurs sacs avec elle, enchaînés. C'est une dame que la cigarette avait pris en otage. Tout ça là. Les cigarettes, quelques amulettes, du pain qui a fait plus de 4 jours, vraiment très dur. Si ce n'est une semaine. Si ce n'est une semaine, effectivement. Vraiment. Ouais. Boniface, parce que ça sont les amulettes. Les amulettes qu'elle avait, les chapelets. Voilà. Le couteau, les vieux sacs. Tout ça va être brûlé. Ah, les pièces de 100 francs là. Voilà. Savez, tout ça. 50. Il n'y a pas ce papier dedans. Un sac de sardines fumées. Sans sucre. Vous faites la cuisine. C'est tellement qu'elle mangeait de temps à autre. Elle mangeait, fait qu'elle cuisine. Ça, c'est ce qu'elle mange directement. Voilà. Bon. Des paires de ciseaux. Des chaînettes. Voilà. Ça, c'est ce que Jésus fait. Alors, tout ça là, on mélange au sel. Le sel. Du sel. Ok. On va brûler ça où? On va aller hors de. Non, on va sortir. Allons même là où il y a le poteau là. C'est le fardeau de qu'elle traînait depuis longtemps. Dans ces différents sacs, il y avait un paquet de sardines fumées, il y avait des amulettes, il y avait des couteaux, du pain qui a fait presque une semaine, un morceau de pain qui a fait presque une semaine, des tissus, des paires de lentilles, des cigarettes
Elle était déjà allée à un bout où elle fumait déjà. Il y avait des sous-vêtements qu'elle a ramassés certainement dans la rue. Et des vieux habits. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous voyons ici jusqu'où et comment est-ce que Satan a longtemps entraîné. Entraîné vraiment dans ses charges. Oh, ça fait pleurer. En même temps, ça fait pleurer. En même temps aussi, ça nous donne la joie parce que nous réalisons la puissance de Christ. Nous réalisons l'œuvre de la croix dans la vie de cette maman, maman Paulette Ibudjango, que le Seigneur vient de délivrer, vient de sortir dans le camp de l'ennemi afin de donner complètement la déception, la honte à Satan. Et lui dit, il dit à Satan qu'il ne doit plus appartenir, qu'il ne doit plus asservir cette maman. Là, comme vous pouvez constater, ce sont des amurettes que nous brûlons. Vous constatez encore là, ce sont des paquets de cigarettes. Des paquets de cigarettes. Elle fumait toujours à la Junin. La Houston, vraiment, c'est. Hein? Il y avait aussi le tabac. Le tabac aussi. Oui, parce qu'on a trouvé une pipe dedans là. Non, il y avait un sachet, il y avait le tabac même. Le tabac est aussi une pipe traditionnelle. Oui. Sincèrement, j'étais à la porte, je l'ai vu rentrer, cette dame. J'étais, quand elle rentrait, je suis allé dire à Narcisse, je dis, Moutou, tu as dit que tu prêches l'évangile, voici une brebis du Seigneur, reçois-la. Il y a du sel, il y a le paquet de sel. Moi-même, j'étais en train de fouir. Il y a le paquet de sel. Donc, cette dame faisait aussi la cuisine dans la rue. Elle venait vraiment, personne, personne ne l'a forcée. Elle avait ses trois sacs, deux ici et un sur la main. Elle avait trois sacs. Et puis, quand elle rentre, j'ai dit, Narcisse, viens. Tu as dit que tu prêches l'évangile. Voici une brebis du Seigneur, reçois-la. Regarde, il recule. Moi aussi, pendant que je disais ça, je riais et je partais. Vraiment, je ne pensais pas qu'elle venait pour voir la gloire du Seigneur. Vraiment, moi-même, je suis dans l'étonnement total. Et puis, tant les choses se sont faites, personne ne voit, ne sait quand Jésus fait. Nous n'avons que nos yeux pour voir la gloire, la gloire du Fils unique de Dieu. Donc, Jésus vient de délivrer une malade mentale. Devant moi, c'est vraiment la première fois. Job va dire que mes oreilles avaient entendu parler. Maintenant, mon œil a vu. Là, j'ai vu la forte puissance de Jésus. Ah oui, il est puissant. Oui. Ce que j'ai pu constater, il y a des frères, des jeunes frères qui étaient des frères à l'accueil, qui l'ont interpellé à son passage. Qui voulait la chasser. Ils l'ont interpellé tout en lui prêchant d'abord l'évangile. Et les frères n'ont pas tenu compte. Oui, parce que c'était fermé. Les frères n'ont pas tenu compte que c'était une malade mentale. Les frères ont pris la peine de lui présenter l'évangile, de lui prêcher. Oui, c'était pour elle. Le tissu rouge l'a été aussi. La couleur rouge est beaucoup utilisée dans les rites initiatiques. Je crois que c'est le Seigneur qui l'a activé. Je crois que c'est le Seigneur. Ne dis pas je crois. Je vous assure que ça, c'est pas un homme. Le Seigneur ne doit rien à Salomon. Jésus dit, ne viens à moi, c'est le Père qui m'envoie de la tirer. Amen. Le Seigneur l'a attiré. Le fou de Gadara. Quand on a commencé à prêcher, à prier, aucun fou ne peut venir au centre d'une croisade. C'est clair. De lui-même. Et sa démarche, c'était une démarche de quelqu'un vraiment qui allait au royaume. Parce qu'elle avait une démarche vraiment très avancée. Non, il y a un frère qui a témoigné qu'il connaît. Tout le monde connaît Alain Barine que c'est une folle. Mais j'étais un moment, j'ai dit, mais c'est quoi cela? On est en train de prier, est-ce que ça va maintenant? Tout ça là, on va faire demain. Oui, mais attends. Moi, je me réponds, frère. Il ne faut pas suivre. Voilà pourquoi toute la gloire revient à Jésus. Amen. Quand on a prié, quand Missinga dit, elle va prendre le baptême, dit, ah non, tout aussi, on va venir demain. Dans le sang, il dit que bon, si jamais demain, c'est bien. Et quand il m'a dit ça, ça m'a découragé. Je suis resté là, je ne disais plus, je ne voulais même plus prier. Après, une parole est venue, pourquoi remettre à demain ce qui est faisable aujourd'hui? Quand je lui ai dit ça, il a dit amen. Allons-y. Le Seigneur pour ce qu'il a fait. Oh, Jésus est merveilleux.
Allez dans les petits véhicules. Maman, ce ne sont plus tes bagages, c'est fini. On la tresse ou bien? Non, on va raser. C'est pour toi le bagage, il n'y a rien dedans. Bon, ça c'est plus bon, maman, ça c'est plus bon. On va te donner d'autres habits. Hein, maman, ça c'est plus bon. Là, j'ai les nouveaux habits là. Voilà. On va nouvelles. On l'a acheté de nouvelles chaussures. Une nouvelle tenue. Voilà. Attachez le foulard là convenablement. Ah, né de nouveau. Né de nouveau. Nouvelle qu'on appelle né de nouveau. Nouvelle de sens. Voici ce qu'on appelle né de nouveau. Voilà, ça passe par les actes. C'est ça l'évangile. Yes. Maman, tu aimes Jésus? Dis Jésus. Jésus. Ah, Jésus est merveilleux. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. De cette nation. Jésus est Dieu. Il est tout maman, puissant. Tu es libre. Libre. Tu es libre. Il n'y a plus rien. Tu es une fille d'Abraham. Regarde comment tu es une belle femme. Satan voulait t'avoir. C'est faux. C'est fini. Tu es trop propre. Les ongles sont bien coupés. Je vais passer la parole à mon père pour lui dire un peu qu'est-ce qui s'est passé hier en réalité. Hier on a commencé, mais est-ce qu'en peu de mots tu peux nous dire ce que le Seigneur a fait hier? Hier c'est pour d'habitude, c'était une situation. On a commencé et parmi les merveilles de Dieu, nous avons donc cette maman que nous avons amenée avec nous sur le plateau. C'est une maman qui, pour tout le monde, c'est tellement à la marinée est un petit livre. C'est tellement beaucoup d'entre vous la connaissent, beaucoup d'entre vous l'ont vu, bien voulu dans les rues, dans un appartement qui laissait à décider, beaucoup l'ont vu abandonner, beaucoup l'ont vu dans le plus profond de la démence, parce que cette maman a été la plainte de folie démentielle, et beaucoup d'entre vous l'ont abandonné, c'est un moment long, quand je la reconnais sur ce plateau télévisé. C'est l'un des miracles que le Seigneur a fait hier. Ce n'est pas le principal miracle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont également été délivrées des maladies qui les possédaient, des esprits impurs qui les ont possédés. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil, dit la Bible. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Pendant que nous sommes vivants, c'est le temps pour nous de faire le choix de la vie éternelle. Toi, tu as la honte, tu es resté là-bas, avance. On a dit que c'est ton jour. Zaché n'a pas eu honte. Malgré le murmure des hommes, malgré les insultes des hommes, Zaché n'a pas eu honte. Quand Jésus-Christ l'a vu l'a appelé, la Bible dit qu'il est descendu de son sycomore. C'était le moment merveilleux de partage, mais aussi le moment d'adoration, de restauration et de retour des cœurs des enfants au Père. Alors, maman, je vais tourner vers toi. Ça va, maman? Voilà, donc maman, tu vas me dire comment tu t'appelles. Maman, quel est ton nom?
tu es en train de passer à la télé. Tu pensais que tu allais passer à la télé. Tu veux plus parler? C'est normal, comprenez que il y a beaucoup de caméras. Ça est climatisé. Pour l'histoire, c'est maman Colette qui s'est dit à nous, c'est un bon nom. Voilà. Nous, elle nous a visité hier pendant notre programme. Et les témoins qui habitent Isaac, qui Isaac l'a vu marcher avec des sacs, marcher dans des tenues délabrées, comme le frère venait de le dire. Mais elle est venue à ce programme. Nous étions à la porte, nous l'avons accueillie. Elle était vraiment atteinte d'une folie démentielle. Il faut le dire. Elle marchait, vraiment ne donnait pas envie de la regarder. Mais hier, elle a fait la rencontre de sa vie. Elle a rencontré un homme. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui que nous sommes venus proclamer dans cette ville. Elle a rencontré cet homme. Et cet homme, vraiment, maman avait, vous, certainement que vous aurez des images d'ici là, maman avait des ongles de plus de 3 cm, des mains et des pieds. Maman avait des odeurs, mais le Seigneur Jésus, à l'instant où elle a dit oui, nous avons prié, Dieu a fait grâce. L'esprit de folie a été chassé au nom de Jésus. Et là, maman a été lavée le même soir, le même jour. Maman a pris son baptême. Et voilà, maman est une nouvelle personne. Pour cela, nous lançons un appel. Vous qui nous regardez et qui connaissez cette maman, si vous entendez ce message, si vous la reconnaissez comme étant votre parente dans la chair, passez à la mairie d'Isaac en ce moment. Dans quelques instants, on va se voir pour que nous puissions ensemble voir comment aider cette femme. Vous savez, ce que Jésus fait, c'est au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. La délivrance qui s'est faite dans la vie de cette femme ne révèle pas seulement de la guérison de la folie. En réalité, Jésus vient guérir la ville entière. C'est un symbole que Dieu donne, qu'il veut guérir cette ville de l'esprit de zoo, de la reine des côtes, de la prostitution. Jésus veut guérir cette ville. Et pour cela, il nous donne des signaux forts. Vous qui connaissez cette maman, venez témoigner, parce que c'est un cas biblique et on va rapidement le lire. Est-ce que, Narcisse, tu peux nous lire le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 26. Luc 8, ils abordaient dans le pays de Gérasiniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Et en vue de Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte : Toi qui entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit un peu de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps, on le gardait lié de chaînes pour le faire aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda : Quel est ton nom ? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ce pourceau. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita dans le pente, escalpé dans le lac, et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri.
les habitants du pays de Gérasénia prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui était sorti les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, par tous l'attendaient. Amen. Ça, c'est l'évangile. Cet évangile a existé il y a plus de 2000 ans. Cet acte se sont posés dans une ville et un homme qui vivait dans les cimetières de Gadara. Cet homme a été guéri. C'est l'image de cette femme qui a été guérie à l'homme aréné, atteinte de folie, abandonnée de tous, qui a certainement une famille. Mais personne, aucune personne ne s'intéressait. Abandonnée à elle-même, elle jonchait nos rues, les rues d'Isaac partout. Elle cherchait de quoi manger. Mais Jésus, ayant une compassion d'elle, dès qu'elle souffrait, et hier, il a matérialisé cet acte en la délivrant de la folie. Cet acte a un impact sur toute la ville. Je vous l'annonce ici, que désormais vous verrez de vous prêcher l'évangile. Cet acte a un impact sur la ville, parce que beaucoup vont être saisis de frayeur. La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Lorsque le fou de Gadara a été délivré, la Bible dit que les gens de cette ville ont été saisis de frayeur. Et ils ont supplié Jésus à quitter cette ville. Pour cette ville, je vous prie, ne chassez pas Jésus de cette ville. Je vous le dis, il vient opérer des miracles dans les vies. Il vient délivrer les vies entières, des familles entières. Et là, vous avez cette femme qui va repartir dans sa famille. Je vous assure qu'elle rayonne de la gloire du temps, la gloire d'un fils unique, le fils de Dieu. Cette femme va aller prêcher l'évangile. Elle va venir vers vous. Beaucoup d'autres fous l'accompagnent. Moi qui vous parle, je suis un fou de Jésus. Tous ceux qui sont assis sur cette table, nous sommes des fous de Jésus. Et vous allez encore bien nous recevoir chez vous, parce que nous allons encore bien vous parler de Jésus.